Dominique, j'imagine que ça vous replonge dans des souvenirs ultra positifs, ce déplacement à Manchester. Ouais, bien sûr, c'est un grand moment, deux grands moments, parce qu'il y a eu ce match aller, bien sûr, et là, ça concerne, enfin, ce qu'on a entendu, ça concerne le match aller, avec nos supporters qui sont déplacés en nombre, et ça, on le savait, c'était derrière nous, fabuleux, ils se sont fait entendre, on n'entendait justement que nos supporters à Old Trafford. On avait fait un bon match aussi, on avait perdu 3-0, un peu, je trouve, contre le cours du jeu, on avait fait un bon match. Et puis la réaction de Christophe, bien sûr. Christophe, bon ben voilà, 7 ans passés ensemble, des moments fabuleux, des grands moments, grande période, 4 ans de Coupe d'Europe, on a parcouru l'Europe ensemble. Et voilà. Quand on reparle, quand on se replonge comme ça dans Old Trafford, dans Manchester United, on se dit que ça confirme vraiment le potentiel, notamment au niveau du public, le potentiel européen de notre club. Ça, on l'a, bien sûr, le potentiel. Fabuleux. Alors, bien sûr, quand on vit des moments comme ça. Moi, j'étais au tirage quand on était tombé sur Manchester. J'étais pas trop satisfait quand même, parce que j'aurais préféré tomber sur une équipe un peu plus à notre portée, surtout en 16e finale. Mais finalement, ça a été de grands moments, de grands matchs. Même s'il y a eu un peu de frustration et un peu de regret quand même sur le deuxième match, où les dés étaient un peu jetés, et c'est vrai qu'on n'a pas répondu présent sur le deuxième match. Après, les supporters, bon, bah, ouais, sur les deux matchs, ils ont été présents, ils ont porté. Moi, c'est ce que, bien sûr, c'est ce que j'aime. Je me disais que c'était le vrai jubilé de toute l'ère Galtier, c'était finalement ce double rendez-vous européen, le moment où vraiment on a célébré l'ère Galtier. Oui, après qu'on peut dire ça, puisque après Manchester, malheureusement, bah après ça a été complètement différent. On a commencé à perdre des matchs, on a fait une fin de saison très difficile. Donc c'est sûr que ces deux matchs, ça a été fabuleux, mais peut-être qu'ils nous ont fait du mal aussi par la suite. Pourquoi? Ah bah pas, non, pourquoi? Parce que, non, quand je dis du mal, c'est un tout, mais. C'est pas par hasard qu'après Manchester, justement, on a commencé à, comment dire, bah les joueurs étaient, il y a eu de la fatigue, il y a eu 4 ans de Coupe d'Europe, enfin, c'est un tout, quoi. Et c'est vrai que ça a été que ça, c'est là où on a commencé un peu la chute, notre chute, mais une chute qui va s'arrêter bientôt. On va en parler avec le deuxième extrait que je vais vous faire écouter.